come on. Eh bien, salut les vipères, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai speedrun pour vous, devant la caméra. Le speedrun de Super Mario Bros 3 sur Switch. Sur Switch, hein, parce que je n'ai pas de NES, excusez-moi, j'ai juste une Nintendo Switch avec le Nintendo Switch Entertainment installé dessus. Et sur ce Nintendo Switch Entertainment, il y a Super Mario Bros 3. Et c'est comme le vrai, hein, et ça se voit qu'ils n'ont pas fait de modification parce que tous les bugs fonctionnent encore. Je l'ai fait en 4 minutes 31 secondes et 99 centièmes, c'est-à-dire environ 4 minutes et 32 secondes. Franchement, vous allez voir, c'est trop bien. Et donc, je vous laisse avec la vidéo. A plus. Ça fait bien tout 40 minutes que j'essaie. Et ça me saoule un petit peu. Oh purée, il faut que j'arrête de pas regarder l'écran. Parce qu'en fait, je clique sur le chronomètre en mode tour. Comme ça, je chronomètre chaque level. Pour voir s'il m'améliore au fil de ma run. Hi. Boom. Boom. Ok. Perfect. On prend son temps. On prend son temps. C'est-à-dire on foire pas son coup. Allez! Allez! Ça va. J'arrive pas à rentrer. Ok, on prend cette carapace. Ok.
Ah! What? What? Ah! S'il te plaît, le jeu, plante pas. Le jeu, s'il te plaît, plante pas. Le jeu, s'il te plaît, plante pas. Plante pas, s'il te plaît, plante pas, plante pas, plante pas, plante pas, plante pas, s'il te plaît. S'il te plaît, plante pas, plante pas, plante pas. Yes! 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 Bon, j'ai pas battu mon record, j'ai fait 4 secondes en plus que mon record. 4 minutes 31 et 99 centièmes, ouais non du coup ça fait 5 secondes. Mon record c'est 4 minutes 27 et 48. J'ai réussi, enfin, après 45 minutes de rush. Yes! Ah, ça fait du bien. Bon bah j'aurais réussi deux fois, une fois 4 minutes 27, une fois 4 minutes 32 on va dire, puisque je suis à 1 centième de seconde de 32. 4 minutes 27 parce que je suis plus près de 27 et 4 minutes 32 parce que je suis plus près de 32. C'est bien, je suis content. S'il y a des abonnés qui ont une Switch et qui ont le Nintendo Online Entrainment System, essayez de battre mon record. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je fais. J'ai fini. 4 minutes 31. Pour information, pour finir, dès que vous entrez dans la salle de la princesse, si votre jeu a pas planté, c'est bon, vous avez fini. Ah, un truc marrant pour la fin. Si vous redémarrez le jeu, après avoir fait ce bug, vous aurez plein de P dans votre inventaire tout en bas. C'est trop bizarre. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai sûrement quand je reviendrai des vacances, parce que j'ai fait cette vidéo en vitesse. Quand je reviendrai des vacances, je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer le speedrun en revenant sur ma vidéo, mais au ralenti. Voilà, donc j'espère que vous vous êtes amusé à regarder, parce que je l'avais déjà fait avant. Et là, c'est que la deuxième fois que je le réussis, speedrun, et je suis très très contente du résultat. 4 minutes 31, c'est vraiment pas beaucoup. Essayez de le faire, vous verrez, c'est ultra galère. En plus, le bug à la fin, il faut vraiment pas se rater. Bref, voilà. Moi, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et à plus !